Cela fait longtemps que nous sommes fatigués avec ces dictateurs qui sont toujours là et qui continuent à tuer le monde et qui continuent à piller nos pays, qui sont en train de travailler pour la France. En fait, ce ne sont même pas des présidents, ce sont des gouverneurs de la France. Et nous sommes fatigués de les avoir à la tête de nos États. Nous voulons un changement, nous voulons en Afrique. Notre Afrique doit être un continent libre, en paix. Et avec nos minerais, nous pourrons travailler nous-mêmes, nous pourrons faire ce que nous voulons faire. Nous voulons changer le franc CFA, parce que le franc CFA, c'est bien une monnaie de colonisation. Nous ne voulons plus de cette monnaie-là. Nous avons un président dictatoire au Congo qui est revenu au pouvoir, qui est venu dire qu'il voulait faire la démocratie. Et aujourd'hui, il est en train de tuer tous mes parents dans le pool. Et personne ne parle. Au niveau international, personne ne lève son doigt. Et nous avons des dictateurs qui sont là depuis longtemps, 50 ans, au Togo. Personne ne parle. On les laisse avec leurs fils qui reviennent au pouvoir et tout. On ne veut plus, on en a marre. Il n'y a pas de dynastie en Afrique. Il n'y a pas de dynastie au Gabon. On veut que ça change. On veut une liberté. On veut qu'à Dakar, comme je dirais plutôt au Tchad, au Cameroun, que ça change. On ne veut plus de ce mouvement des gens qui sont là pour suivre ce qu'on leur dit de faire. Nous voulons des gens qui respectent le pays, qui respectent nos âmes. On n'est pas des bêtes. On ne doit pas nous tuer comme ils le font. À tout moment, on est exécuté et personne ne parle. C'est quoi ces exécutions? C'est quoi ces tueries? C'est quoi ces bombardements que le monde ne peut pas voir? Quels sont ces satellites qui ne peuvent pas intercepter des bombardements dans les villages? Alors je me demande, où est parti, où va le monde? Et nous sommes là devant le siège de l'ONU pour défendre nos intérêts, pour protester et pour dire que nous en avons marre. Je vais rajouter quelque chose sur la situation du Congo-Brazzaville. Attendez, partez, je ne peux pas me...